Ah là là. Bon, Milan, vas-y, viens avec moi, on va aller dans la maison tant que tout le monde arrive. Ouais. Ah mais... Je veux dire ça maintenant, ça fait déjà plus de 5 mois là, que j'en ai trop plus. Oui, non, non, mais... Je suis le voilà, seul infirmier, donc ça va pas compliqué. Pour que tout le monde rebind comme il faut. Ok, c'est bon, on est enfin prêt à y aller. Yeah. Je crois bien. Ok, bilan, tu peux mettre le peloton en marche. Ok, groupe Heinz, Torval, Franck, Louis, Otto devant. On fait deux colonnes, de chaque côté. Ivar, François, vous suivez derrière sur la gauche. Lionel, tu suis avec Alexis sur la droite. Oui. Par là-bas, non? Ouais, oui, c'est par là. Parce que je voyais qu'il tournait dans le sens. Allez vous mettre devant le camion. Par là. Allez vous mettre devant le camion. Le. Non, auto de l'autre côté, de l'autre côté. Suitez, gaz. Ok. Gaz très simple pour vers le nord. Ok, vous suivez la route vers le auto, nord. Auto, auto. Fais double halte. Voilà. Ok, bah mets-toi sur la droite, Alexis. Pareil pour Lionel. Auto, mets-toi à gauche. Du auto. Ok, fais double contrôle. Voilà. Vous espacez de 5 mètres, vous trottinez et on avance. À l'occasion, on viendra rechercher tout ça. T'as un maximum de trucs sur toi là. Ouais. Ok, ça. Si c'est encore là. Bah, espérons. Pour l'instant, jusque maintenant, ça a été calme. Donc... Y'a pas les armées roumaines, ça devrait bien se passer. Y'a pas quoi? Y'a pas les armées roumaines, ça devrait bien se passer. Ouais, je sais même plus où est la ligne de front, là. Ça part tellement en couille. Hein. Rien. Ah, si. Ça s'est assombri d'un coup. Ouais, ouais. On rentre dans la forêt. Baptiste. Les fourrés ne te pardonnent pas, mon ami. T'inquiète pas, ça va aller, tu peux continuer. C'était juste une entorse. Je dirais plus que c'était les ronces, mon lieutenant. Ah. Bon. Terrible. Hein? Terrible. Ouais. On va leur faire payer. T'as besoin de toi ici. Ouais. Je vais devoir m'absenter pendant un temps. Vas-y, couche-toi, il va se couper toi. Oh, c'est une galère pour passer ici. Il est où, Otto? Ah, y'a un rue. Otto? Ah, ça a vu, Otto? Bon, je mets ici les petits prisonniers. Attention, je transporte la femme. Bah si, c'est une civile, elle va pas rester en plein. Elle est morte, je crois. Non, elle est pas morte, elle en. Bon, un recul à l'arrière. Ok, auto parfait. Va prendre position dans la maison à droite avec Heinz. Est-ce que Ernst, il est là? Oui, il est là. J'ai dû... Ok, putain, il m'a fait... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fous avec cette civile ici, toi? Elle était dans le bâtiment. Bon, on va rejoindre les autres. Bah, j'aurais besoin de soins, il me semble. Tu sembles ou t'en as besoin? C'est pas la même chose. J'en ai vraiment besoin. J'ai fait une petite chute. Dans l'escalier. La civile est encore en vie normalement. C'est bon. Hop. Ah oui, il y avait une civile ici. Ah non, elle est plus.
Quoique si, elle est encore vivante ou... Si elle est encore vivante, normalement, elle bougeait encore. Bah, c'était... Bon, Franck, va la foutre dans le bâtiment là derrière. Okay. Vous foutez une civile qui a pas de vêtements froids. Ouais, bon, bref. Oh. Bon, allez, vite, je sais pas, elle était au milieu de son bâtiment. Si, on avait le temps de s'occuper de ça. Mais je crois qu'il y en avait d'autres. Hein. C'est vrai, il y a toute l'armée rouge sur notre gueule et... Ah bon. Alors, c'est où il était celui-là? Dans la maison en face. Ouais mais non mais Ah ouais c'est... Attends c'est un quoi? Bah, c'est un fichier lui. Bon, bah tue-le, on peut rien faire. Ok. Il est mort. Ça, c'est pour ce qu'ils ont foutu un peu plus haut là. Je fais d'ailleurs casser le bras à gauche. Thorvald ? Oui. Viens un peu. Hmm ? T'as attaqué la maison ? La maison elle là ? Oui. Ouais. Il y avait quoi dedans ? Bah, il y avait pas grand chose. Bon. En vrai, je suis pas rentré dedans, mais. Je peux aller vérifier. Non, non, c'est. Enfin. J'aurais bien voulu savoir si, parce qu'il y avait des risques dedans, s'il y avait des papiers ou des cartes ou des trucs du genre. Donc va, va avec vrai. Alphonse voir s'il y a quelque chose. Moi et Ernst, on va vous rejoindre pour aller okay. Là-bas. Ernst, je vais récupérer la dame qui est dans la maison derrière pour la faire revenir dans cette baraque. Bon, alors ici, on y a quelque chose ou pas? C'est vide. Ça c'est quoi? J'en sais rien, je m'en fous. Y'a rien à l'étage. Ça. Rien ici. C'est quoi, c'est un officier basique? Ok. Ah, Ok, t'es seul ici? Ouais, y'a tout le monde avec moi, mais Il y a une meuf juste là. Ah bon? Ouais, attends, me sortez de là, on va vous libérer. Ah bon, les temps d'arrêt. Ah, pas de paupiers là-dedans. Pas grand-chose, hein. Ici, j'avais tout vérifié ou pas? Okay. Elle va venir avec moi ou quoi? Oh là là, putain. Ah, compliqué les Allemands, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, une radio, je sais pas qui dit ici. Et qui parle russe ici? Moi, oui. Ah, est-ce qu'on t'est... Oh là, putain, Zabi. On a encore des civils, moi, le temps, je la ramène juste à l'arrière. Sans qu'elle respecte les cadavres russes. Tac, attendez, je vais revenir. En vrai, Enfin ouais, va la déposer avec là-bas dans le truc qui se démerderont bien tout seul, donc tu vas te l'avoir fermé. En le temps ? Ouais. Il y a une radio à l'arrière. Ça. À l'arrière cours. Alphonse ? Ouais. Alors ? Ça grasille beaucoup. J'imagine qu'ils savent qu'on est là maintenant. En le temps ? Ouais. Qu'est-ce qu'il crie? Maintenant, du coup, on a pris position au niveau du croisement Y au bout du village. On a fait une certification de GM à ce moment-là. Y au niveau du village. Vous voyez? Ouais, je vois. Mais du coup, bah, quels sont les ordres? C'est les Russes du Caucase, ça c'est les Tchétchènes, ça pas connu. C'est les pays en ce temps là. Bonjour à toi. Bonjour, je suis. Lionel, viens ici. Ok, Tu longes la route et tu trouves au bout d'un moment un croisement Y, et normalement il y aura nos hommes là-bas.
Là, je peux l'emmener, Mélan. Ouais, vas-y, go, go, vas-y. Restez au niveau du croisement parce que j'attends de voir ce que Alphonse va me dire à propos de la radio. Et si ouais. Bon, on avance ou pas. Ils sont reliés avec leur QV, les gens. On est très loin d'ici, donc. Et pour ces ordres, ça va être compliqué. C'est moi qui viens. J'enverrai Alphonse. J'arrive, c'est eux, attends, je viendrai de toute façon si on bouge. Lionel. Tant qu'on n'est pas venu, vous restez sur place. Lionel. Alors c'est à part. C'est les communications d'en face de l'autre côté de la rive. Les communications en face de l'autre côté de la rive. Ils communiquent avec leur QG, mais. J'arrive pas à la prendre. Ça dit rien sur nous. Ça ne dit rien sur nous, mais je crois qu'à un moment ils nous ont parlé. T'arrives pas juste à la poser. Et ils nous ont pas. Ils ont pas réussi, bah du coup, j'ai pas répondu. Mais ils doivent se douter d'un quelque chose du coup. Non, c'est bon, j'ai réussi. Je vous enverrai Lionel. Ah, aussi, on a des camions en état, je pense, hein, donc si jamais on veut aller chercher des anciennes munitions. Ok, ça va. Bah, ok, bah Alphonse. Oh, ok. Changement d'ordre. Vérifie qu'il soit pas piégé juste. Qu'il soit prêt. Et si c'est bon, tu retournes à notre ancienne position, t'as juste à suivre la route, c'est très simple. Et t'essaies de récupérer notre matériel. Si jamais les Russes sortent de... Ok, bien reçu mon lieutenant, ça sera fait. Alors, est-ce que... Voyons voir. Ok, on sort dans le bâtiment. Piki. Seigneur Dieu. Non, merde. Oh, oh mamma seigneur. Je me soigne, moi. La même. J'ai une grande conscience. Je sais pas si toi aussi. Non, moi ça va. Je vais chercher le lieutenant après. Ok. Essayez de. Bon, ils sont encore capables de se battre, essayez de faire un petit peu sur les bâtiments en face. Y'a pas quelqu'un pour mettre un petit pansement parce que sinon je vais. Pour lieutenant, vous avez un pansement. C'est bon. Ouais. Ah non, ça va pas. Qui va pas? Bah attendez, Tiens, bouffe, culé va. La vie qui est morte. Oh putain. Ça va me jeter une grenade avec. Y'en a à l'étage là. Bah attendez, ouais, on va passer sur le côté. Allez, allez. Grenade. Ouais, je crois que le mec est mort à l'intérieur. Couvert la main. Ok, il y en a deux à terre. Il y en a un encore à l'étage, à droite. À droite, donc ici. Enfin, je crois. Ah, t'es gros, t'en vas le mettre. Ouais, excuse-moi, je suis bon. Ils se sont pris tellement de grenades. Oh, ils sont entièrement rouges. Waouh. Mec, c'est quand même pris de grenades, quoi. Je vais aller faire des comportements de. Oh, vous m'entendez pas, man. C'est moi là. Ah, c'est non, t'entends pas, Lionel. Au trim sur le feu, n'importe. Si tu vois des trucs, tu me dis. Ok, bien reçu, mon lieutenant. Oh,
Mais c'était pas mal de tirer là-bas. Au point de produit. Je t'installe dans le petit. Mon lieutenant! Le petit gate là. C'est le plus proche de tous les ponts. Mon lieutenant! Oui. Il y a la marine soviétique. Quoi? Venez voir! Y'a quoi, t'as vu de chaloupe ou quoi? Pire! Greetings, Ruby Daddy. Hé, je commence à avoir beaucoup de balles. Hop là. Un navire de transport. Et un petit bateau. Je me sens comme les officiers politiques. Non mais putain, mais c'est Ali ou Amy, c'est le bateau? Je sais pas. Conseil, hein. Est-ce que quelqu'un veut se mettre dans la mitrailleuse du véhicule négatif du commandant? Oh. Nous avons les moyens de... Je dois rester mobile, moi. Pourquoi elle est penchée à chaque fois? Parce que t'es bourré, la ville. Ah, c'est un russe, mais je sais pas ce qu'il branle. C'est peut-être un cargo bourré d'explosifs qu'ils ont balancé contre le pont pour le faire péter. Cargo d'Assad. Si ça se trouve, c'est ça, c'est un cargo full explosif. Là, on est aux premières loges pour le débarquement. Le débarquement du... Bon, on n'a pas cassé le scénario. On va l'accueillir. Je sais pas. Attention! Ah! Ah, il en reste. Je vais balancer une grenade. Je crois pas. Y'en a qui nage. Ah, si c'est pas, on nous donnait plus de bandages. Bon, allez, on retourne avec les autres. Vous pouvez mettre. Je veux pas voir le monsieur du stand. On recule. Ça va bien se passer. On y va. Ça va pas. Ma foi, ils se sont ratés de plein fouet. Heureusement que j'étais là. Ah non, oui. Ah bah là, oui. On y va. Et donc là, le bateau il coule. Bah. Bon, ils sont bizarres ces soviétiques. Bon, on y va. Genre des trucs, c'était pas censé se passer comme ça. Ils sont chelous, sérieux. Est-ce que je peux vous voler, Franck, 2 minutes? Ouais. Okay. Ils ont sabordé leur navire. Ok, Alphonse. Non, me dis pas que. Ah, j'ai cru. Bon. Attends. Vraiment en plus, putain. Beaucoup de mecs qui se sont battus. J'ai pas compris. Ils sont arrivés avec des gourdins comme les Prussiens. Avec des gourdins. Pour aller charger nos amis. Ils sont arrivés avec des gourdins. Ouais, ils ont voulu faire comme les Prussiens. Bon bah sauf que comme les Prussiens ils se sont fait péter. On va demander un rapport à Milan, j'attends ici. Je vous le ramène du coup? Non, rapporte-moi un rapport, pas Milan. Ah. Rapporte-moi d'accord, juste un rapport. Ok, bien sûr.
si tu veux. Pour la douleur, je te laisse tomber d'ailleurs en fait. Ouais, ouais. Il est où maintenant, la parenté? Au fond, au pont. Au bout du pont, cassé. Il est à droite, ce pont. Tout à droite. Il faut faire un nettoyage parce que là, j'ai mal à... Mélange, j'ai besoin d'un rapport immédiatement, s'il te plaît. Un quoi? Un rapport pour le lieutenant. On se fait attaquer par des troupes au sabre, et puis on les repousse. Au sabre? Par contre, il faut très rapidement qu'on se casse, parce qu'ils commencent à être trop nombreux. Ok, bien reçu, j'en fais part. Le pont avance difficilement. Ok, et si on doit être à deux tiers le nombre de cadavres aussi Oui. Je ferai part du lieutenant. Allez, merci. Ah, oh, la fluidité est toujours. Oh oui. Ah. Ouais. Ouais, désolé de vous déranger. Je vais devoir me retirer, faut que j'aille manger là. Putain, ouais, j'avais pas vu pour Ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Du coup, je vous laisse mes cartes, mes plaques d'identification. Ouais, tu peux faire. Enfin, Alphonse, prends-les. Bon, ouais. Franck, il va falloir se rouiller le cul là. Bah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai plus de. Voilà, elles sont toutes par terre. Bon, Franck, écoute. Là, moi, il faut juste que le camion il puisse arriver là, puis qu'il remonte, c'est tout. Il faut juste ça. Hein. Ah, toi, oui, tu m'as fait un espèce de truc, on se croirait à Qualibi là. Je crois que ça, moi. Bah, je sais pas, vous m'avez dit de descendre puis de remonter. Bah oui, bah dépêche-toi, on perd du temps là. Oui, du coup, le rapport c'est beaucoup de soviétiques qui sont arrivés avec des sabres. Moi j'ai vu des pelles. Avec des sabres. Qui les ont chargés violemment. Ah, violemment en plus. Oui, enfin violemment c'est moi qui les récupère, qui les rajoute. Ok. Dans cette mission périlleuse pour récupérer des informations auprès de Milan, je me suis malencontreusement pris une balle alliée. Ah bah, Blue dans la charge de contournement des soviétiques. Avec les mules, il est au fond de l'eau. Donc, bon, ramenez tout le monde, on décroche. Attends, ah oui, non, attends. Le vert. Okay, on passe. Merde. Il y a rien en haut qui va. Et il faut un camion pour se barrer, il faut que j'essaie de le sortir de là. Hein. Non, mais on peut pas, de toute façon, il y a rien. On trouvera bien un camion de l'autre côté. On y va. Mon pont, aïe, ça fait mal au pied. Aïe, aïe. J'ai mal à mon pont. Mmh. Oh, mais prochaine fois, pensez quand même me donner des planches. T'en avais normalement? Non, j'en avais pas. C'est dans la configuration du mod. Du quoi? De monsieur Fortify, et vous devez bien lui préciser de mettre Monsieur Fortify. Je crois que c'est Small ou un truc comme ça. Enfin, le truc basique, Small compagnie. Là, ils s'attendent à ce qu'on n'ait pas déplacé tous les camions. Ouais. Vous regardez en bas, il y en a un dans la flotte et puis il y a l'autre qui est coincé. Ouais, bon, c'est quoi. Le truc le plus éclaté que j'ai jamais vu. Vous voyez l'autre dans la flotte là? On a deux même. Oh, on les a tous déplacés. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux dans la flotte. Il fait des... La foule. Allez, venez, on a tous les camions avec les munitions. Ils sont là-bas, rangés dans la grange. Regardez pas à droite dans la rivière. J'abandonne. Merde. Regardez pas au fond de l'eau. Regardez pas au fond de l'eau. Y'a rien à voir. Regardez pas au fond de l'eau. Y'a rien. Continuez d'avancer. C'est par là. Bon, allez. Bon, allez, continuez d'avancer. Je m'attendais pas. Continue jusqu'au village. Pourquoi Ça sera dans le documentaire. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Vas-y, regardez-moi galérer, hein. Bah, le truc, c'est que pour te t'aider à passer au-dessus, il faut te casser la jambe pour qu'on puisse te porter, mais Et marche-moi dessus, là. Bon, merci. Ah, oh, ça marche, en plus. Tu casses la jambe? Non, c'est bon. Vas-y. Bon, Milan, les munitions sont rangées là-bas. Non, elles sont là-bas, dans la grange. Allons-y les chercher. Ouais, parce que les camions n'ont pas pu passer. Non, mais ne regarde surtout pas au fond de l'eau. Ramassez. Ah, moi, de toute façon, je sais ce qu'on avait dedans. Pourquoi
Pourquoi il y a des tankistes? Bah c'est un panthère explosé à côté. Ouais. Ah bah tu lui as vraiment roulé dessus en plus. Qui ça? Oui. Bah ouais. Ah, mission failed. Ah, fuyez. Comment ça? Traîtrise. Ah.